Bah vas-y, fais le bonjour, parce que moi j'aime pas le faire, ce truc. Ah ouais, d'accord, bah moi non plus en fait. Hein. C'est quoi, je dis bonjour. Oui. Coucou, hey, hello. Salut, gars. Allez, go. Allez. Allez. Mais je sais pas quoi dire. Bah, tu... Bonjour tout le monde. Oui. Non, bonjour, simplement. Un simple bonjour. D'accord. Bah tu vas dire bonjour aussi, du coup. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Bon bah... Bonjour. Bon, on se retrouve enfin. Ça fait bizarre. Non, je suis là, bonjour. Coucou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, ça me fait excuser. Ouais. Bon, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo parce que bah, cet été on n'a pas trop eu le temps, on a eu beaucoup de devoirs pour notre deuxième année de prépa. De cagne. De cagne. La cagne. Comme on dit chez nous. Et du coup ouais, on a pas trop eu le temps de faire des vidéos, on avait pas eu le temps du tout, voilà. On s'est pas vu, enfin ouais. Voilà, donc du coup c'était pas pratique. Sauf que cette année, ouais. Nous sommes en colocation. on a pris un appartement ensemble, donc du coup bah comme on habite ensemble, on a décidé de faire une petite party pour fêter ça. Ouais. Quand on avait encore des week-ends. Donc on a invité 2-3 amis, etc. Enfin, on a fait notre petite crémaillère à nous. Ouais. Et du coup ça nous a donné l'idée de refaire une vidéo quoi, pour l'occasion, parce que on a fait des petites recettes faciles, rapides, pas chères, pour les étudiants qui n'ont pas de sous, qui n'ont pas de temps, enfin voilà. Ça fait cuisiner. Et du coup bah voilà, on s'est dit qu'on allait refaire des vidéos et qu'on allait essayer d'être un peu plus régulier quand même. Donc on vous laisse avec la vidéo et on espère, si tout va bien, la semaine prochaine en faire une autre. Mais pour l'instant, bah, regardez celle-ci et on verra de notre côté. Voilà. Pour cette première recette, vous aurez besoin de farine, de sucre, d'huile d'olive, de cannelle. Et on va ainsi constituer des petits gâteaux en fait. On commence par mélanger 200 g de farine avec 75 g de sucre. On rajoute ensuite 7,5 centilitres d'huile d'olive et on mélange. Il faut que la pâte se tienne assez pour pouvoir constituer des boules de pâte. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive. Vous n'avez plus qu'à ensuite constituer des petites boules et à les placer sur une plaque qui peut aller au four. Pour finir, il faut former un petit creux sur le dessus de chaque boule. Et dans ce creux, saupoudrez un petit peu de cannelle. Il ne vous reste plus qu'à enfourner 18 minutes à 180 degrés. Pour la deuxième recette, vous aurez besoin de 800 g de thon, de 300 g de fromage à tartiner, de ciboulette, de sel, de poivre et d'huile d'olive. Et on va ainsi réaliser des rillettes de thon. Donc tout d'abord, il faut égoutter le thon. Ensuite, c'est très simple, il vous suffit de mélanger le tout ensemble, le fromage, le thon, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et le tout est joué.
créé une petite ambiance sympa. Après, on a juste rajouté des ballons qu'on a gonflés. On a ajouté sur la table une petite guirlande, des jolies serviettes, des jolies assiettes, et voilà.